Jungle. DJ Guinéen qui nous arrive de la Côte d'Ivoire. Il sera là pour nous parler de sa carrière musicale et aussi de sa carrière de DJ. Pourquoi pas dans la rubrique Talent à découvrir. Vous aurez la rubrique En sommet de tout, les rumeurs qui cartonnent dans la cité guinéenne. Vous les aurez en exclusivité sur le plateau de vos plus grandes stars africaines et guinéennes. Les hits qui cartonnent, ça va être sur ce plateau. Mais tout de suite, on se retrouve dans la rubrique News, les événements à ne surtout pas louper ou ce qui s'est passé quelque part dans les coulisses, les gossips et tout ça. Et si on se retrouvait là-bas tout à l'heure? Hello la people team, c'est parti pour votre voyage de star du jour. On vous parle d'Azaya et de Gilly Kababintou en love story rebondissant. Entre buzz, rumeurs, on en a assez pour comparer leur vie de star aux séries novelas. Cette semaine, on pouvait constater sur la toile un engouement total autour des deux people. Une du moment, une internaute surprenante s'est dévoilée être la mère porteuse du chanteur Azaya et s'en est prise publiquement à Gilly Kababintou. Pour répliquer, il nous donne rendez-vous le 5 janvier au Palais du Peuple pour enfin dévoiler la vérité. Sont-ils en couple? Sont-ils des amis? La femme est-elle en scène de Azaya? Toutes les réponses le jour du grand spectacle Novelas au Palais du Peuple. En attendant, la question reste posée. On vous parle aussi de Arafat DJ, objet de moquerie sur la toile, comme disent les Ivoiriens. Il aurait tapé poteau, c'est-à-dire échec total pour la méga star lors de son grand show de Paris au Bataclan. Il n'aurait pas fait le plein de la salle mystique, ce qui a totalement réjoui certains concurrents, De Wardo et Beno en question, qui n'ont pas tardé de le dire. On peut dire qu'il ils ont enfin obtenu leur revanche de moquerie. Mais après toutes ces rumeurs sur son concert, l'Euroteam Universal avec tous les médias européens confirme le chiffre de spectacle au Bataclan. DJ Arafat demeure le numéro 1 du coupé décalé. Il aurait fait les 85,8% des chiffres d'achat de ses tickets au Bataclan. Ouais, on parle de DJ Fostry encore. Continue sa petite aventure musicale. Pas de pause pour le groupe Urban. Ils ne sont pas prêts de lâcher prise tout de suite. Un clip inédit du groupe disponible depuis ce 9 décembre et fait d'ores et déjà buzz. Ils ont décidé de faire les choses en grand et ça réussit totalement. Le clip couillé est à savourer. Ibro Diabaté et son épouse Mam Konaté font le tour de l'Europe et profitent de leur séjour d'amoureux. Entre Paris et Belgique, le couple partage ce moment agréable avec les internautes. On peut les définir plus amoureux que jamais. On termine avec Faux des Barreaux qui va se marier. C'est l'info buzz qui fait écho dans la cité. Depuis quelques jours, le chanteur serait en instance de convoyer en justice. Rien de confirmé, mais la rumeur fait état dans la cité. C'est tout pour votre voyage people, on se retrouve très vite. Et voilà, c'était les news sur le plateau de la retrospective people. Tout de suite, on s'embarque dans la rubrique les hits qui cartonnent sur la toile. Et si on regardait ça en exclusivité, vous aurez du Candé Canté, le tout dernier. J'adore, qu'est-ce qu'il est sensuel dans ce tube. On regarde.
diamant. Les rumeurs dans la cité sur nos stars guinéennes. On cherche, on trouve et on en parle tout de suite. Salut la famille, comme vous le savez très bien, Chris pour vous servir au compte de Retrospective People. Alors là, c'est on se mêle de tout et on est prêt à vous servir les papatous. C'est déjà décembre 31, j'espère que je ne serai pas blagué. Ce qui reste clair, on sera tout à l'heure avec Kelake. Je vais la retrouver dans un restaurant et vous allez savoir que tout ce qui se passe en ce moment, il y a trop de trucs qui se racontent. Mais on ne va pas assez parler tout à l'heure, on la retrouve là. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, Chris. Je vais très bien. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs autour de toi en ce moment. Il paraît que tu as déjà signé un contrat de 10 000 euros. Comment ça se passe? Ça se passe pas mal. Il faut dire que les 10 000 euros, si c'est pour investir dans ma carrière musicale, voilà, dans les productions des sons de l'album et dans les clips vidéo. Donc, en parlant de clips vidéo d'ailleurs, nous avons fait venir du Bénin, Sans Mac de Net Royal, qui fait pas mal de clips que vous connaissez déjà, comme Fanico, Sidiki Diabaté et tant d'autres. Donc, voilà, les 10 000 euros, c'est pas du cash, c'est pour investir dans ma carrière, que les gens comprennent ça. C'est pour mes sons, c'est pour mes clips vidéo. D'accord, si vous retrouvez Kelake sans une nouvelle voiture, sans des jolies fringues, c'est parce que les 10 000 euros, c'est uniquement pour sa carrière. Et de l'autre côté, on attend aussi qu'il y a un featuring qui se prépare entre toi et Moussa Mbaye. Comment ça se passe? Parce que la dernière fois, on vous a vu sur scène. Oui, il faut dire que ce sont mes grands frères. Voilà, je suis leur petite protégée. Ils sont là pour donner un coup de pouce à ma carrière. Voilà, étant donné que je suis en train de préparer un album. Donc, si les grands frères sont là pour moi, je crois que c'est une fierté. Moussa Mbaye, on a fait un son qui s'appelle « Fibouvou » d'ailleurs, que les gens vont sûrement aimer. Et le clip, il est déjà bouclé. Donc, voilà, le clip, c'est Net Royal qui l'a fait. Celui, le réalisateur qu'on a fait venir du Bénin. En tout cas, c'est intéressant ça. On a l'exclusivité, Fibouvou, Kelake en featuring avec Moussa Mbaye.
Je suis dans le doute, mon cœur est prêt. Toi contre moi, c'est jusqu'à l'infini. Les histoires d'amour finissent mal, tu t'en fous. Mon cœur si fragile, rejette tes appels. N'insiste pas, je veux pas être dans ton filet. Je veux pas être accro à une simple illusion. D'un côté, j'envie, d'un côté, je résiste. Tu me fais la cour, moi, je te refoule. Bon les gars, on arrête là l'émission. On se retrouve plus pour un prochain numéro. Mais ce qui est sûr, le meilleur reste à venir. Restez scotchés sur Retrospective People. Et là, Guénédine, j'espère que tu vas t'ambiancer. Fibou pour m'avoir. Allez, portez-vous bien. Audio Jungle. Audio Jungle. Juste après la rubrique On se mêle de tout, c'est parti tout de suite avec notre invité talent du jour. Il s'appelle DJ Inox, il nous parlera de sa musique, de sa carrière. Tout de suite, découvrons Inox ensemble. Audio Jungle. Oh voilà, il est venu au monde pour donner de la joie au cœur des gens. Sans béquille là-haut. De DJ Inox sur le plateau de la Retrospective People. Tout de suite, on va découvrir en freestyle Macambo. Ça se passe comment? Je sais que c'est pas facile tout ça quand j'imagine. Voilà, ça me fascine. À travers des moments difficiles, aujourd'hui je vis la vie d'un aussi bébé. Je suis devenu mauvais. Regarde bien comment je te flingue. La coque, elle est pas ta refin. Pour Wari, j'ai dealé, j'ai mixé toute la nuit. Bébé, je suis devenu mauvais. Regarde bien comment je te flingue. J'ai chargé, j'ai craqué le game. Touché, collé, chimenté, baby yo, viens danser. Ah, tu viens danser à fond avec DJ Inox. Vous découvrez hein, bientôt le clip du titre. Hein. Mais en attendant, le single sera disponible sur YouTube. Qu'est-ce qu'il faut connaître d'autre comme actualité de DJ Inox? Bah, DJ Inox est revenu genre, d'une tournée africaine. Et là, du coup, je suis là pour l'instant jusqu'à mi-janvier pour sortir mon clip. Inch'Allah. Et ça se passe en ce moment en direct sur le plateau de la Retrospective People. Vous avez découvert le clip de Inox, son tout dernier tube qui arrive dans sous peu. Donc, Macambo, yeah. C'est le concept. Mais Macambo, ça veut dire quoi, Macambo? Macambo, déjà, vous n'êtes pas trop rentré dans le détail. C'est le camp Macambo. D'accord. Et c'est comme si je faisais un feu à Macambo, qui était le soldat d'Addis à l'époque. Donc c'est un truc comme un ça. Un peu ça, quoi. Ouais, clin d'œil. Hein. D'accord, ouais. Super. Ouais. Un dernier message aux téléspectateurs de la Retrospective People. Ouais. Ben, j'ai dit également un big up à toute la famille. Et je vous invite tous également à la soirée bientôt. Et on se reverra bientôt sur scène. Un petit clin d'œil hein, en même temps à DJ Rokoba, hein, la petite main derrière à DJ Inox, hein, ouais, carrément. Et on se retrouve pour la suite de la Retrospective People. Merci DJ Inox d'être passé. Merci. À très vite. À bientôt. Au revoir. À tout à l'heure. Toujours sur le plateau de vos plus grandes stars guinéennes et africaines, c'est parti pour la rubrique Agenda, les événements à ne surtout pas louper, c'est ici même, à l'instant même, ne bougez pas.
Audio Jungle. Imaginez qui va nous rejoindre sur ce plateau pour m'apprendre à faire jouer cet instrument africain que j'adore, symbolique. Paraît-il qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur ce djembé. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il nous le dira tout à l'heure. Mais en attendant, je vous redonne encore une autre sonorité, ça fait... On se retrouve avec LKM. Audio Jungle. Voilà, pour vous dire bonjour à l'instant sur le plateau de la Retrospective People. Comme promis, je reçois pour la première fois LKM ici. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de t'avoir ici en exclusivité. Tu es en train de préparer la sortie de ton nouvel album. Et aujourd'hui, nous allons parler de cela. Mais avant de... D'abord, je salue les fans de près ou de loin. Je le suis depuis. LKM se trouve très très bien. Grâce à Dieu et grâce à la musique, et tout. Et en ce moment, on parle d'un nouvel album de LKM, une nouvelle couleur musicale qui ramène de la sonorité africaine mixée avec celle urbaine, ou disons même moderne, et tout. La première. Pourquoi cette inspiration? Pourquoi ce changement? Voilà. Et LKM, d'abord pour la petite histoire, j'ai quitté la Guinée en 2013. D'accord. Pour aller à Dakar, pour aller améliorer ma connaissance. Et j'étais dans une école de danse qu'on appelle aujourd'hui Touba Piala, une école internationale. Bon, c'est là-bas, j'ai vécu plein d'inspirations, plein d'idées avec mes amis sénégalais. Chaque fois qu'on avait des concerts, des battles, je les voyais tout le temps, ils étaient accrochés à leur djembé, les trucs de tambour, là, je ne sais pas comment on appelle ça. D'accord. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas créer le même style là chez moi. Parce qu'il y a des instruments chez nous ici en Guinée, tels que le djembé, comme on vient de monter là. D'accord. Il y a le djembé, le balafon, etc. Donc moi, l'inspiration est venue pour panacher les instruments traditionnels dans la musique. Et carrément, aujourd'hui, on se retrouve avec un album exceptionnel. Et de quoi parle cet album? Quels sont les thèmes abordés? C'est composé de combien de titres? L'album est composé de 13 titres. Un album qui parle de l'amour. Parce que nous tous, on est amoureux, tu vois. Ah, surtout toi, hein. Tout le monde, là. Donc, l'amour, le respect des femmes surtout. Parce que sans oublier, grâce à nos mamans, aujourd'hui, on est là. Et Unity Africaine, un titre que j'ai chanté avec DJ Awadi. Et la trahison aussi. Les faits qui se passent dans la société en général. Ouais, carrément, et ça c'est du Le Gros Killa Mike. Moi j'ai envie de découvrir un clip de Le Gros Killa Mike sur le plateau de la Retrospective People. Mais on se retrouve juste après pour encore passer un excellent moment avec notre artiste du jour. Audio Jungle. Douja. Guinée Conakry. Debele Mabone Bebrayo. Guadande. Namoli, Namoli, Mayama. Hey. Awa mangoma, mofala kadi gorete awon, mofala kadi gorete awon, emu bila rilima, ambore tanfan rilima. Allo? Ya me maneya, ntanga nantan reri, amara pani firi muna, mara pani kere nara. Awa mangoma, awa managoma. Est-ce que la lama, est-ce que la lama, wow, tout elle me raconte les mêmes paroles. Lorsque je lui demande, elle me dit les mêmes paroles. Chaque jour, chaque nuit, les mêmes problèmes. Même si je la touche, non, hey. Oh non, 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 oh yeah.
sur ce plateau avec le gros Killa Mike. Directement, moi j'ai envie d'apprendre le djembé. D'accord, là, tu vas me tenir le micro. D'accord. Tu vas m'expliquer comment on fait. Tu voilà. Me dis juste en fait. Tu fais doucement. Déjà, c'est la honte parce que quand une grigope ne sait pas jouer au guébert, une grigope ne sait pas chanter, non, mais c'est et qu'il pas y a grave. Un monsieur le gros qui la met qui la prend, c'est la honte. Mais par contre, je suis très heureuse et parlons un peu de la sortie. Là. C'est prévu pour quand? Qu'est-ce que le public guinéen pourrait bien découvrir ce jour au Palais du Peuple? D'accord. Et d'abord, l'album est sorti à l'international le 31 mars passé. Donc, je suis là pour un concert. Un concert pas à la sortie de l'album. L'album est disponible sur ma chaîne YouTube. Déjà, on a commencé la répétition depuis 2-3 semaines comme ça avec mes danseurs. On est en train de préparer un truc de ouf. Et puis, un truc, quand vous regardez sur les affiches, on a mis les trucs sous les jamais vus, du jamais vu en Guinée. Ça serait un concert du jamais vu. Venez massivement voir la culture guinéenne, comment nous, on va essayer de mélanger ça de hip-hop et à traditionnel. Venez voir la danse et la musique. Ça, c'est l'appel de le gros Killa Mike, mais quelque part, on a le gros Killa Mike qui est en artiste, mais aussi le gros Killa Mike qui est en père de famille aujourd'hui. Un artiste vraiment gazé, qui est responsable. C'était pas le gros Killa Mike d'avant. On oui, sait quand même comment. Le talk life, là. Tout le délire, les nanas qui sont partout, on en découvre partout, mais aujourd'hui, c'est un homme gazé, heureux, avec son épouse qui est son manager et la productrice aussi en même temps, et qui est mère de famille. Qu'est-ce que cela représente pour le gros Killa Mike aujourd'hui, cette vie? Franchement, ça représente beaucoup pour moi aujourd'hui de me stabiliser aujourd'hui et de sortir dans les anciens esprits comme ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai ma petite famille, je vis bien et je fais ma musique tranquillement. Donc, one love et à ma femme et à mes enfants qui me suivent en ce moment même. Donc, big up. Donc, moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu aimes chez ta femme? Et ce que j'aime chez elle, parce qu'elle est dynamique et des fois, on se dispute pour le travail. Je ne l'écoute pas deux fois, je dis non, c'est moi qui ai raison, mais elle me donne toujours raison. Donc franchement, c'est une battante. Aujourd'hui, quand vous écoutez le gros Killa Mike, il y a une femme derrière. Donc, essayez de comprendre. Tous les hommes qui blaguent avec leur femme là, arrêtez de faire ça. Respectez les femmes surtout là. Les amis, respectez les femmes. Carrément, donc, carrément, voilà. Parce qu'on dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Attention, voilà. Sans les femmes, il n'y a pas d'homme. Voilà, hein, carrément. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire aussi aux téléspectateurs de la retrospective People qui nous suivent à l'instant en Et tout ce que j'ai à dire, c'est d'inviter tout le monde, tous les mélomanes de la Guinée. Venez le 28 janvier au Palais du Peuple à partir de 14h. La rentrée déjà, j'ai mis. Il n'y a pas de VIP. Par terre, c'est 40 000. Le balcon, c'est à 30 000. Donc, ça, déjà, j'ai donné à la Guinée parce que moi, j'aime la Guinée. Je veux partager l'expérience là avec mes frères guinéens et mes frères artistes surtout. Donc, venez le 28 janvier. Venez voir le concert live que j'ai jamais vu avec elle quand même. Carrément, on va se quitter avec un petit freestyle. Hein. On va inviter ton joueur de djembé. Exactement. D'accord, il va jouer et toi tu vas me faire un freestyle. Et d'accord. On va danser aussi. J'ai envie bien de danser sûr. Moi. Pas voilà, c'est ça. Allez, boum boum. Mama
Jungle. J'espère que c'était plaisant pour vous de nous suivre aujourd'hui sur le plateau de la Retrospective People. C'est ici que prend fin ce numéro People du jour. Vous étiez avec LKM et bien sûr DJ Inox en exclusivité sur le plateau. Bon, je vous dis à très vite pour un autre numéro. Merci à nos partenaires. Et oui, l'émission est disponible sur la toile à travers la chaîne de DJ Itaka, clin d'œil. Hein. Et aussi, vous retrouverez l'émission sur le site de l'émission retrospectivepeople.net. Bon, je vous dis à très vite pour un autre numéro. Portez-vous bien et profitez de la vie. Ciao, ciao. Des bisous. Jungle.